vous remercier parce que le ministère du Tourisme a vraiment bien organisé l'événement. Et partout où on passe, depuis Paris, on ne fait que parler de l'événement, de la foire internationale du tourisme. Le salon international. Du salon, pardon. Ouais. Et vous féliciter parce que parmi les stands, là-bas au salon du tourisme, on nous a clairement expliqué depuis les rapports que la RDC a le meilleur salon. Je tenais à vous féliciter aussi. Et nous, de notre part, on va vraiment bien assurer. Gérer l'événement, bien assurer l'événement. On va donner la musique qu'il faudra. Donc, et pourquoi pas valoriser aussi le VBF des FAO qui est parti. Qui sera enterré, oui, le même jour. Le même jour que l'événement. Donc, pour nous, on va clairer le VBF des FAO par la chanson. La chanson et la danse. Éric Watana Bentek, vous êtes monsieur l'ambassadeur du tourisme. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous demain? C'est ça que j'ai dit. Moi, je suis artiste. Je peux te vendre ma culture, faisant bien ma musique. On va prester pour que les autres membres du tourisme, donc les autres ministres du tourisme, des pays amis et autres, puissent découvrir notre musique. Parce qu'aujourd'hui, la rumba a été reconnue à l'UNESCO. On doit vendre cette musique-là, on doit vendre cette rumba-là. C'est ce que moi je ferai. Et si je ne me limiterai pas seulement à la musique, parce que moi, je suis comme un mascotte du tourisme congolais. Donc moi, je dois vendre la RDC, je dois parler de la RDC. Comme destination au monde. Comme une destination nouvelle. Parce que les gens doivent venir découvrir la RDC. Aujourd'hui, la RDC a des animaux qui sont que en RDC, comme le capi, je crois, le paon et autres. Les gens doivent venir. Gorilles de montagne. Les bonobos, les gorilles de montagne. Les gens doivent venir découvrir le montagne du Congo, la faune du Congo, le fleuve, les forêts, parce que on a une grande étendue que les gens doivent venir découvrir. Les gens partent au Kenya, les gens partent en Tanzanie, les gens partent au Rwanda, pourquoi pas en RDC. Parce que la RDC est vendue très négativement. Parce que quand on parle de la RDC, les gens, dans la tête des gens, c'est la guerre, c'est la famine, c'est tout des négatifs. Or, nous savons que la RDC a son côté positif aussi. Et c'est ce côté-là qu'on va voir. Très bien. Mais là, c'est là, les Français, ils ne peuvent pas dire, on va courir. Français peuvent vendre, donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas gâté. Alors, exemple à suivre. Merci beaucoup. Vous savez que mon français venait 20 euros sur la peine en français maintenant. Yoki. Vous avez dit que On aura de, comment ça s'appelle, pour le manteau. C'est-à-dire ici, comme on est pendant le froid, s'il y a des gens qui arrivent avec leur manteau, ils n'entrent pas avec des manteaux dans la salle. Il y a des hôtesses, les services mis là pour récupérer les manteaux. On vous donne un jeton et vous entrez dans la salle et c'est cet espace-là. C'était au couloir. Divisé. Parle l'espagnol, Dieu les traduit. Femme à droite et les hommes. Non, je dois pratiquer un peu. C'est seulement la seule, c'est mon mot que je parle en français. Donc il faut pratiquer. Et puis les deux entrées aussi, l'artiste aussi va entrer. Oui. Cette entrée aussi. Oui. Et ma mère, fondation de Salis. Ici, à Long Sabiso, ma santé.
Et ça, longue ça, puis ça, ma rambo délé. Mais en balo, balobi, assurance. Assurance complète. On nous a assuré voiture na yo. Ndap na yo. Mutuelle de santé, pesaliwana. Vraiment, fondation de ça, ici. Et ma mère, tobo sanate, puis nous sommes dans Château Rouge, dans Marcadé. Pour la bas, assurance, nous sommes tous ensemble. Tout le monde a la fondation de ça, ici. Et ma mère, dans Château Rouge, dans Paris. Assurance auto. Rapatriement mutuel, nyonson, obino moyebi, et ça n'a pas d'assurance. Tout le monde a émané à fondation du sage. Hey, assurance, yo! Nga, natunanga, nga yonakena. Balobi, ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie. Bana mokili mobimba makambu to lukaka ezaka kapaya fondation Emma Meya fondation lisali ici ya Emma Meya balui partout dans le monde tala muto oyo asira ba santé na biso fondation lisali ici ya Yemei Emma Meya amemeli biso assurance ezala na mutuka appartement immeuble santé partout aux dans le monde contactez fondation lisali ici assurance buna vinayo tala nini tozobela tala nini tozokufa avanga vile nana kufa si na sabone na sabone na fondation lisali c'est pas ya Emma Meya papa mama tikandaku yaka ku sabone pa ya Emma Meya fondation lisali assurance ya solo Emma Meya fondation lisali ayuna nazo yeb sabino bandi kusika nyoso buzali pana assurance na bino Fondation de Salisi, il y a Emma Meya. Par le soki, Uringi, on s'assure qu'il y a une marque D. Ou qu'il y a une marque D dans Château Rouge. Par le bien, il y a Château Rouge, il y a une marque D, il y a une marque D, il y a une marque D, il y a Ndiku, il y a un massage. Uringi, quoi s'assure, ndaku na yo. Uringi, quoi s'assure, vainquir na yo. Uringi, quoi s'assure, santé, la société, il y a des boutons na yo. Uringi, quoi s'assure, rapatriement donc dans les ukoke na mboka moko ukangami apatia fondation Emma Meya ba yebinde ni ba runu na mboka wana surtout ndaka ba kufina na yeboi ba tuwaza ukangama na mboka donc fondation Salisi ayebinde nini ba ko rapatrier yo lumwe wana uzungi pa yo zaka pa utika fami donc na Salisi na assurance Emma Meya biso ngaso to sasire Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda ko yakokutana na ndenge ya defoite. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi. Ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lalaka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, bobanda kozua Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino nandenge ya kosakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa le grand chanteur Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betoue ba ou différence yena Tele, mone, nani, ya nani, chez Djonga de. Malolo. Oui, frère, ma vie Djonga. La compagnie. Futur, futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La tata king, chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Etiquette de la, etiquette de la, etiquette de la.
Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Ici, on aura de, comment ça s'appelle, pour le manteau. C'est-à-dire ici, comme on est pendant le froid, s'il y a des gens qui arrivent avec leur manteau, ils n'entrent pas avec des manteaux dans la salle. Il y a des hôtesses, les services mis là pour récupérer les manteaux. On vous donne un jeton et vous entrez dans la salle et c'est cet espace-là qui va être... C'était au couloir. Divisé, vous m'avez dit, divisé. Parle en espagnol, je l'ai traduit. Femme à droite et les hommes. Non, je dois pratiquer un peu. C'est seulement la seule, c'est moment que je parle en français. Il faut parler. Donc, il faut pratiquer. Et puis, les deux entrées ici. L'artiste aussi va entrer par cette entrée ici. C'est l'entrée de l'artiste. C'est les loges pour l'artiste. C'est l'entrée principale normalement. Le podium, c'est ça. Mais les gens arrivent, les manteaux peuvent continuer et à droite, c'est l'apéritif. Il y aura des panneaux A3, A3. La nuit du Congo et avec les arrows. Avec la direction. La flèche. La direction, c'est ça. Avec la direction. Donc, l'apéritif est là, vous avez le photocall et quatre... Le photocall, c'est un fond de scène qu'on va mettre pour faire les photos. Pour faire les photos, vidéos, on va mettre la nuit du Congo, l'histoire du Congo, c'est là pour faire des photos. Voilà. Donc c'est ça la configuration. Et ce qu'il ne faut pas oublier, nous avons des écrans dans la salle ici. Il y a un écran ici, il y a un écran ici, il y a également un écran ici. Et vous avez parlé avec ça parce que la dernière fois avez... Si. Ok. Voilà. Bon, le deuxième entrée pour le Salon Madrid, pour les dîners, c'est ici et là. Voilà. Donc nous avons 250 personnes pour l'apéritif, après 400 pour le dîner. Les autres 150, ils doivent faire aussi le même trajet. Le même trajet, ok. Après, ici, il y a 408 places. Je vais vous dire que 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 je v
des phares autour, tiens, dans ma belle lobby le 22. Que ce n'est pas un prévoir, moi, le mois bouquet. On va rendre hommage dans la salle, et vous allez moins bien. Donc, la meilleure façon pour aller la vie, c'est en douler. Pour vivre, il y a une douler. Il y a aussi le plaisir. En Espagne, il y a un peu de bazar. Il y a un Espagne, il y a un peu de sida du lélé. Vous avez quatre chiffres, vous allez dire bazar à la nouvelle collection. Aucune ligne. Anton Bengan, déjà, il y a un peu la pointe. Donc, deux fois. Donc, tout ça, dans la communauté, on est là. Donc, je remercie Ritier d'avoir été si simple. Je voudrais vous annoncer qu'en tant qu'ambassadeur, Héritier n'a rien exigé de la République. C'est sa contribution. À ce moment-là, l'État n'a pas été envoyé à Istanbul. Soboulina Yaram, Kamouya, qui fait partie d'un programme Nabino, vous avez mis en charge, Babien Nabiso, tout au rien. Mais la vie qui est morte, c'est la geste. Pour te la rendre à mon tata, au Salisayo, moi je suis au Salama. Oh, nous sommes au Tikalipe, beau Meka. Comme Golanda Lokolo, au fond, la montée, ma pote, on va pas avancer. Moka, tu donnes un retard au Saranate. Donc, les appelés, le monde, au Salisayo, le lobby, pour toi avancer. Bon, Héritier, donc, nous avons la place, le programme, donc, nous avons la. Là où il sera. Là où ma musicien, là, là. Et puis. Il faut tomber peut-être dans la future. Votre exposition avec ces amis. Votre exposition à Bissot. Et puis, vous visitez le stade. Exposition, comment va bien. Vous avez une invitation à match. Parmi les trois meilleurs expos. Non, non, tout ça, meilleur stand. Meilleur stand. Meilleur stand de la République démocratique du Congo. Le bois qui est là, ils ont bois à RDC. Ah oui. Donc. Là, où dit qui n'est. Et où tu dis ça, c'est y. Babi, bah, l'imbondo, ça l'est, on l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a un yéli. Mais il y a l'imbondo. On l'a mis, on l'a mis, on l'a mis, on l'a mis, on. Chef d'orchestre, directeur de cabinet adjoint à ministre, donc chef d'orchestre, chef d'orchestre, il est là, il est là, il est coach. Vous êtes coach. Djora, vous êtes là, vous pas Djora, expliquez la Congolais, ma Colombo. Bon moni déjà, d'abord on vous remercie tous et nous saluons parmi nous ici la présence de l'artiste qui a fait les déplacements avec une forte délégation des membres de son orchestre. C'est la plus grande délégation. Une vingtaine pour célébrer la rumba qui a été inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc ça va être une grande première et ça va être le clou de cette grande messe du tourisme mondial qui a réuni quasiment tous les pays du monde ici à Madrid, les Japon, les États-Unis, les pays de l'Amérique du Nord, du Sud, l'Asie, les Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Afrique, dont le monde entier s'est donné rendez-vous ici à Madrid. Et nous avons la fierté, au-delà de tout ce qu'on a présenté comme biodiversité, comme tourisme d'affaires, tourisme minier, et les points de clou, comme on dit, c'est Héritier Watanabe qui va représenter la RDC et présenter la culture. Le rumba na rumba na rumba. Et ça va bien ça de. Tu es bon. C'est le rumba, c'est bien ça. Mingi. Là où nous allons, c'est le plus grand centre d'événements de Madrid, c'est ici. Marriott, ceux qui connaissent la réputation de Marriott de par le monde, le savent. Et nous sommes dans, on a énormément de salles et nous avons réservé ici pour le compte de la RDC. Deux grandes salles, et la première va accueillir les cocktails des bienvenus et toutes les rencontres et échanges B2B, alors que la deuxième salle, avec près de 1000 places assises, nous allons réduire pour raison de Covid plus ou moins 700 places assises, va accueillir la grande fête, la grande présentation. C'est une soirée des galas, au cours de laquelle il y aura des présentations sur la destination RDC. Il y aura des présentations du pays sur les plans de construction du pays. Il y aura des présentations sur les plans de construction des 145 territoires de la RDC. Et après, à fin, nous aurons les discours très attendus également du secrétaire général des de Nations l'Organisation Unies. Mondiale du Tourisme qui prendra également parole aux côtés de la ministre espagnole du Tourisme, du Commerce et de l'Industrie. Et ce n'est qu'après,
on cédera la place à notre star, à notre fierté du moment, l'ambassadeur du tourisme congolais, Hérité Watanabe. Et il faut signaler aussi que dans l'organisation, il est prévu d'abord les ambassadeurs, tout le monde viendra, mais il y a une partie qui est réservée à la communauté congolaise. Voilà, il y a une grande partie dans la salle qui est réservée à la communauté congolaise qui a manifesté la volonté de faire les déplacements. Et j'annonce également, en dehors de notre ambassadeur, maman Louise qui nous accueille ici à Madrid, il y a également notre maman qui est en France, à Paris, notre ambassadeur est nouvellement nommé. Madame Tchombe fera également les déplacements avec une grande communauté congolaise qui fera également les déplacements de Paris pour Madrid. Donc voilà. Et pour les Congolais, il y a une zone réservée. L'accès est conditionné à la présentation du passeport ou du titre de séjour du Congolais. Mais les titres doivent être enregistrés pour être en mesure d'identifier toute personne qui pourront avoir accès au niveau de la salle. Et les dispositions sécuritaires sont prises, vraiment avec aussi bien, donc j'annonce aussi qu'il y aura les maires de Madrid qui sera Donet Gentilingo Kinshasa, ce que Gentilingo Bilaya y a Madrid, à Rosalapé na Katia salle. Donc vous comprenez que on a budget moto. Budget ça n'a les Congo. Et puis tous les ambassadeurs en poste. Il y a aussi une précision, tous les ambassadeurs en poste en Espagne, ici, feront également des déplacements pour ces événements. Mais moi, je tenais à vous remercier, à vous féliciter aussi. Vous remercier parce que le ministère du Tourisme a vraiment bien organisé l'événement. Et partout où on passe, depuis Paris, on ne fait que parler de l'événement, de la foire internationale du tourisme. Le salon international. Du salon, pardon. Ouais. Et vous féliciter parce que parmi les stands, là-bas au salon du tourisme, on nous a clairement expliqué depuis l'aéroport que la RDC a le meilleur salon. Donc, je tenais à vous féliciter aussi. Et nous, de notre part, on va vraiment bien gérer l'événement, bien assurer l'événement. On va donner la musique qu'il faudra. Donc, et pourquoi pas valoriser aussi le VDF des FAO qui est parti. Et qui sera enterré, oui, le même jour. Le même jour que l'événement. Donc, pour nous, on va clairer le VDF des FAO par la chanson. La chanson et la danse. Comme il aimait bien le faire. Héritier Watanabe, en tant que vous êtes monsieur l'ambassadeur du tourisme, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous demain? C'est ça que j'ai dit. C'est ça que je disais. Moi, je suis artiste. Je ne peux que vendre ma culture. Faisant bien ma musique, on va prester pour que les autres membres du tourisme, donc les autres ministres du tourisme, des pays amis et tout ça, les pays amis et autres, puissent découvrir notre musique. Parce qu'aujourd'hui, la rumba a été reconnue à l'UNESCO. On doit vendre cette musique-là, on doit vendre cette rumba-là. C'est ce que moi je ferai. Et si je ne me limiterai pas seulement à la musique, parce que moi, je suis comme un mascotte du tourisme congolais. Donc moi, je dois vendre la RDC. Je dois parler de la RDC. Comme destination au monde. Comme une destination nouvelle. Parce que les gens doivent venir découvrir la RDC. Très bien. Aujourd'hui, la RDC a des animaux qui sont que en RDC, comme le capi, je crois, le paon et autres. Les gens doivent venir gorille de montagne. Les bonobos, les gorilles de montagne. Les gens doivent venir découvrir le montagne du Congo, la faune du Congo, le fleuve, les forêts, parce que on a une étendue, une grande étendue que les gens doivent venir découvrir. Les gens partent au Kenya, les gens partent en Tanzanie, les gens partent au Rwanda, pourquoi pas en RDC. Parce que la RDC est vendue très négativement. Très bien. Parce que quand on parle de la RDC, les gens, dans la tête des gens, c'est la guerre, c'est la famine, c'est tout des négatifs. Or, nous savons que la RDC a son côté positif aussi. Et c'est ce côté-là qu'on va voir. Très bien. Mais là, c'est là, les Français, ils ne peuvent pas dire, on va courir parce que les Français peuvent pas dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas en. Alors, exemple à suivre. Merci beaucoup. Vous savez que moi, Français, venez 20 euros sur la peine à Français, maintenant, Yoki. Demandez-vous, on a vu ça. Ça veut dire que
Et ça, il y a un abîme belé. Et puis, tu as dit si Bangoké, où tu as fait Paris, Bruxelles, Bétan, Internet, tickets sont moins chers. Avec ce que somme ici, 34 euros. Aller-retour. Donc, on a nous les lobbies. On a nous dimanche. On a lâché à 86. On a besoin de bagages. De la main, on a changé. On a pour avoir les lobbies. On a fait venir aux hommes dimanche. Et puis, on a besoin de tests antigéniques. Et puis, il faut remplir le formulaire. Mais on va remplir un aéroport. Donc, on s'empêche. Voilà. Si on a un vaccin, on a mis balé. On a tout donné. Il y a un tamakoul. Alors, si on y était, on a en Espagne, on y était. Au Kosara, on va en Portugal. Sauf famille Baïbi, on va en Espagne. Sauf mon anité côté, on va au Mona. On va en Portugal, on va en Portugal. Donc, famille, vous voyez, au Kosara, on va en Portugal. Vous êtes dans la distraction. Travaillons. Donc, vous savez, ça, là, il y a un truc qui a déclenché avalanche. Donc, tu as déclenché avalanche. C'est-à-dire que chaque service, il y a un content dans mon livre, député, il y a un et là, tu coûte un avalanche, on se plaint de prendre un visa à Congo et les qui n'ont pas de visa, ceux qui ont or, donc diamant. Bambouk a tout va faciliter pour avoir un visa. Il y a des vieillards espagnols, bah pour ça, bah bon, bah y a à 1000. C'est comme 1000 ou on a pour bah y a na Congo. Il faut où ta Malaga, à y a na ça dans 2 heures de temps pour remplir formulaire. Or Côte d'Ivoire, Kenya, bout, bah ça aux visa dans le port. Donc bisous pendant ils sont là, ils visa déjà qu'à Chantal est vraiment beau sale, ça bisous. Et puis, il y a 5 bateaux, il y a un hôtel. Il y a un papier mouillé. Des fois, il y a un papier mouillé. Donc, il y a en sorte que l'e-visa est possible. Donc, il y a un côté de l'opoule. Il y a un tambour qui va dire que le Congo is back. Donc, le Congo est de retour. Nous sommes véritablement de retour avec des nouvelles stratégies. Aujourd'hui, il y a moyen de contrôler discrètement le bateau. Parce que quand on a un bon cas, Interpol, il faut que ça soit comme il faut. Muta sengi visa à côté à Ozulamon aéroport tekutu soit comme betika mbata leki donc tout ça système aux visa aéroport tout ça visa aux système à visa na internet il visa comme maintenant réalité pour toi pour avancer et puis toi alléger ma covid du pays toi mais quand on peut pour alléger pour les autres malheureux des mots arnaque ouais pour muta sali test comme na kilo sauf dans 45 dollars tout boy comment est amour depuis que mouille mon côté là danger. Mais quand il s'appelle la banane, il va tout sur la zone, il va tout faciliter, tâche le corps à Mouga, tâche à Mouga en Espagne. Pas eu ma couffie sur combien. Mais au côté, ils ont allégé qu'il y a un Congo, on dirait Chine, attends, il y a un Yuan. C'est ça, vous voyez. Donc, c'est trop. C'est exagéré, et puis voilà. On a proposé tout l'argent. Voilà. Donc, voilà. Petit Nanjora. Carmel Odia, Ozi. Carmel Odia, Ozi.